Bienvenue, on va donc attaquer ce premier webinaire sur le gentrifolium en France. Donc ce soir, on verra une trentaine de taxons et puis on en verra un peu plus la prochaine fois puisque il y a quelques généralités qui vont précéder la présentation des espèces. Cette présentation se situe en continuité de webinaires que nous avons déjà fait sur les Fabacées avec les Vesses, les Latyrus, les Genista, Citizus, Medicago, et puis il y en aura sans doute d'autres. Mais le genre Trifolium, qui est un genre important dans la flore de France, nécessitait qu'on fasse deux soirées pour éviter de dépasser trop largement les 45 minutes normalement prévues pour ces webinaires. Alors, tout d'abord, un rappel sur la tribu des trifoliés, puisque bien évidemment, le genre Trifolium appartient à la tribu des trifoliés, pour des raisons que je ne rappellerai pas. Vous étiez pour certains présents au précédent webinaire sur le code de Shenzhen, donc vous maîtrisez parfaitement ce lien de causalité. La tribu des trifoliés est une tribu qui est relativement importante, mais qui n'est pas parmi les plus importantes au sein des Fabacées. Par contre, c'est une tribu qui est très largement représentée en Europe et en Europe de l'Ouest en particulier. La tribu donc compte 550 espèces, dont la moitié à peu près sont des trèfles. Les genres de cette tribu sont le genre Onanis, que vous connaissez bien, le genre Medicago, le genre Trigonella dans son sens large avec 120 espèces, et puis le genre Trifolium, sachant qu'il y a un cinquième genre, alors avec une ou deux espèces en fonction de comment on la traite. Le genre Parroquetus est un genre d'Afrique de l'Est et qui est naturalisé en Asie du Sud-Est et qui a la particularité d'avoir des grandes fleurs bleues, et une plante assez spectaculaire. Les trifoliums et les trifoliés en général se situent au niveau des clades qui ont été étudiées sur la tribu des Fabacées, et notamment par l'équipe de Martin Wojciechowski à l'université de Tempe dans l'Arizona, donc dans la clade des Vicioïdes. Les trèfles sont finalement au niveau phylogénétique relativement proches des Fabées, donc des Vesses, des Latyrus et même du genre Cicère. Donc le genre Trifolium a une position un petit peu particulière au sein de cette tribu des trifoliés qui n'est pas des plus homogènes qui soient au niveau phylogénétique. Comme vous le voyez d'ailleurs sur cet arbre, le genre Parroquetus dont je viens de parler étant quand même assez distinct du reste. Bon, c'est pas le sujet du jour. Je te rappelle que dans cette tribu des trifoliés, on compte classiquement deux sous-tribus, hein, les trigonellinés et les tripholinés, les trifoliums représentant la deuxième. Quant aux premières, elles ont été régulièrement redécoupées, et notamment le genre Trigonella, qui était un genre un peu particulier dans sa constitution, dont certaines espèces ont été rattachées, comme vous le savez, notamment par Ernest Small, au genre Medicago, mais ça, on en a parlé quand on s'est vu la dernière fois pour parler des luzerne. Alors, les trèfles, il n'y a pas un critère qui permet de déterminer le genre Trifolium, comme souvent d'ailleurs. C'est un ensemble de critères qui permettent d'établir que nous sommes face à un trèfle. D'abord, ce sont des thérophytes ou des hémicryptophytes. La majeure partie des espèces en nombre sont des thérophytes, donc des plantes annuelles, mais il y a quand même un nombre assez représentatif d'espèces vivaces. Mais bien sûr, il n'y a pas parmi les trifoliums de géophytes ou ce genre de type biologique. Les feuilles sont alternes, rien de très original. Elles sont trifoliolées. Alors, ce n'est évidemment pas un critère exclusif. Il y a une section qui est un petit peu en marge du genre, la section lupinastère, qui, comme son nom l'indique, a des feuilles palmées, mais cette section n'existe pas en Europe de l'Ouest, n'existe pas en France. Et puis, il y a évidemment le cas particulier des trèfles à quatre feuilles qui sont bien connus,
mais pas tellement des botanistes, parce que souvent les botanistes les appellent des oxalis, hein, comme vous le savez. Bon, ça ne veut pas dire que des lusus à quatre folioles n'existent pas, mais enfin, on désenchante souvent les enfants quand on leur explique cette erreur, et pas que les enfants d'ailleurs. Alors, les stipules sont soudées au pétiole à la base, ça c'est un critère extrêmement important qu'on va voir après, puisque c'est le critère qui permet le plus facilement de distinguer le genre Trifolium du genre Medicago, qui sont deux genres relativement proches, notamment certaines espèces de Trifolium qu'on va traiter au début de notre échange de ce soir. Les inflorescences sont en capitules, alors ils sont en général assez fournis, ces capitules, mais il y a des espèces avec des capitules pauciflores et même parfois des inflorescences avec une seule fleur, enfin ça reste tout à fait exceptionnel dans le genre. Les calices ont des nervures qui sont plus ou moins visibles, mais souvent qui sont bien visibles, et le nombre de nervures sur le calice est un critère important pour distinguer les sections et les sous-sections. Donc il y a classiquement des trèfles qui ont 10 ou 20 nervures, il y en a qui en ont 5, mais ce critère est très important à analyser. Les corolles sont persistantes. Alors, vous savez qu'un certain nombre de plantes chez les Fabacées, mais dans d'autres familles, ont les corolles qui tombent dès que la fleur est mûre. Eh bien, chez les trèfles, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour la plupart des espèces, les fleurs restent, quoique fanées, accrochées au calice. L'androcée diadelphe. Alors, pour ceux qui suivent ces webinaires, vous maîtrisez bien cette notion. Donc, une androcée diadelphe, c'est une androcée avec 10 étamines. 9 sont soudées à la base, forment une espèce de colonne. Et puis, il y en a une qui est libre. Hein. C'est donc un critère qui n'est pas propre au tricolier, mais qui est un critère important à regarder dans les fabacées, notamment quand on hésite sur le genre. Alors, le critère suivant est très important, mais il est difficile à observer. Hein. Il nécessite une loupe binoculaire, éventuellement une loupe sur le terrain. Enfin, c'est quand même un critère assez discret, c'est que les étamines sont dilatées au sommet. C'est un critère qui est d'ailleurs pas toujours très net. Chez certaines espèces, il l'est, chez d'autres, il l'est moins. Ça distingue aussi les Trifolium des Medicago, mais enfin, le critère des stipules est beaucoup plus facile à observer. Et puis, les trèfles ont des fruits inclus dans le calice. Alors, c'est le cas de l'immense majorité des espèces. Ça n'est pas un critère exclusif. Il y a des trèfles dont les fruits dépassent le calice. On va en voir un tout à l'heure, hein, avec Trifolium strictum. En général, quand ils dépassent le calice, c'est plutôt courtement. Et on n'a pas, comme c'est le cas dans les autres genres de la tribu des trifoliers, et notamment chez les Medicago et chez les Trigonella, des fruits qui sortent très nettement du calice, quelle que soit leur forme d'ailleurs, arrondie chez les Medicago, allongée chez les Trigonella. Mais ça peut être arrondi également chez les Trigonella en fonction des sections. Bref, chez les trèfles, la plupart du temps, on ne voit pas les fruits, pour faire simple. Et pour voir les fruits, il faut disséquer les calices. Il est assez peu fréquent qu'on ait besoin d'avoir la forme des fruits pour identifier un trèfle, mais ça peut permettre d'avoir des confirmations chez certaines espèces, évidemment. Je pense notamment à celui qui lui vaut son nom, Trifolium hismocarpum, mais ça n'est pas le seul qui peut avoir des fruits un peu particuliers, avec notamment un rétrécissement entre les graines. Alors, ça veut avancer. Voilà, donc, les différences entre Trifolium et le genre qui lui est le plus proche, Medicago, c'est donc les critères que je viens d'évoquer. Filaments, donc dilatés sous les anthères pour Trifolium, non dilatés sous les anthères pour Medicago. Fruits inclus dans l'immense majorité des cas pour Trifolium, fruits dépassant le calice chez Medicago. Et puis, et surtout, les stipules sont engainantes dans le genre Trifolium et n'engaine pas la tige dans le genre Medicago. Ce dernier critère est évidemment celui qui est le plus simple à observer, et notamment pour les espèces de Trifolium qui
ressemble aux médicagos. Il n'y en a finalement pas beaucoup, puisque les médicagos, comme vous le savez, sont des plantes qui, pour leur immense majorité, sont des plantes à fleurs jaunes, jaunes soutenues. Et cette couleur est assez rare dans le genre Trifolium. Elle est réservée à un sous-genre qu'on va voir d'ailleurs dès le début de cette présentation. Mais pour le reste, c'est assez exceptionnel. Je vous remercie de couper vos micros, s'il vous plaît, si nous ne voulons pas avoir de bruit parasite. Alors, pour illustrer mon propos, bah, écoutez, voilà quelque chose d'assez typique. Hein. On a à gauche un trèfle, à droite, donc une luzerne. Donc, vous voyez que les stipules engainent et sont collées l'une à l'autre ici. Alors qu'ici, on a des stipules qui embrassent la tige, mais qui ne sont pas soudées. Donc, on a bien là un trèfle et là, une luzerne. Je vais illustrer par deux plantes qui se ressemblent un peu et qui sont, ce n'est pas choquant d'ailleurs, assez fréquemment confondues par les botanistes débutants. Donc, à gauche, ici, nous avons une luzerne, hein, Medicago lupulina, que vous connaissez bien. Et à droite, nous avons un trèfle, Trifolium dubium. Quand nous regardons les stipules, vous voyez qu'ici, les stipules elles sont larges, mais elles n'engainent pas la tige, alors qu'ici, nous avons des stipules qui engainent la tige. C'est souvent beaucoup plus net que cela, mais en l'occurrence, dans ce sous-genre chronosémion dont nous allons parler tout de suite, on a des stipules qui engainent assez courtement la tige, mais qui engainent tout de même. Donc, c'est le critère le plus simple pour distinguer un trèfle d'une luzerne, sachant que dans l'immense majorité des cas, vous n'aurez même pas à vous préoccuper de ça, puisque les trèfles, dans leur grande majorité, ne ressemblent pas finalement à des luzernes. Les luzernes se ressemblent beaucoup les unes les autres, c'est un genre extrêmement homogène. Le genre Trifolium est un genre beaucoup plus varié, comme on va le voir aujourd'hui et la prochaine fois, et souvent avec des corolles anthocyanées, ce qui est relativement rare et même assez exceptionnel dans le genre Medicago, puisque en gros, il n'y a guère que la luzerne cultivée Medicago sativa et ses différentes sous-espèces, quoique certaines ont les fleurs jaunes également, qui ont des fleurs anthocyanées. Alors, le genre Trifolium compte 14 sections, dont 5 en France, et compte, comme on le voyait tout à l'heure, 255 taxons valides, dont 72 en France, ne sont pas comptabilisés dans ces 72 les espèces occasionnelles, même si on peut avoir des espèces qui, à l'instant T, sont occasionnelles et puis finalement s'implantent. C'est le cas d'un trèfle de la flore de France dont nous parlerons la prochaine fois, qui est Trifolium echinatum, dont on doit aujourd'hui considérer qu'il n'est plus une plante occasionnelle, mais une plante naturalisée. On le verra, il y a un certain nombre de trèfles, ce n'est pas le cas de Trifolium echinatum, mais qui sont cultivés, notamment comme plantes fourragères, soit en semi-pur, soit en mélange. Et il arrive de plus en plus fréquemment qu'on trouve des trèfles qui sont étrangers à la flore de France dans des prairies semées. Ils s'y maintiennent relativement peu aujourd'hui, mais il est de plus en plus fréquent d'en observer plusieurs années après leur culture. Voilà. Donc, on peut penser pour cette raison-là que certaines espèces, peut-être, rejoindront le cortège des trèfles de France dans les années qui viennent, ou en tout cas, pour certaines qui étaient tout à fait exceptionnelles, voire certaines en limite d'air, eh bien, elles pourront devenir plus fréquentes par ces phénomènes que je viens d'évoquer. Donc, on va maintenant commencer l'analyse des espèces du genre dans la flore française, à commencer par le traitement d'un sous-genre qui est le sous-genre chronosémium. Alors, le chronosémium, pour faire simple, ce sont les petites trèfles à fleurs jaunes. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que des espèces à fleurs jaunes dans ce sous-genre. Il y a notamment en Méditerranée orientale des espèces, pas beaucoup, mais qui ont des fleurs violacées. Donc ce critère de fleurs jaunes
n'est pas un critère strict au niveau du sous-genre, mais pour la flore de France, il est tout à fait satisfaisant, puisqu'il n'y a pas, par contre, d'espèces du sous-genre Trifolium qui ont des fleurs jaune franc. Il y a, comme on le verra tout à l'heure, des espèces qui sont blanchâtres, un peu crème, mais pas franchement jaune dans le sous-genre Trifolium, alors que toutes les espèces du sous-genre Chronosemium ont des fleurs jaune franc. Le deuxième critère est un critère beaucoup plus fiable sur l'ensemble de l'aire, c'est la forme des fruits qui sont stipités dans le sous-genre Chronosemium, alors qu'ils ne le sont pas ou ils sont très courtement stipités dans le sous-genre Trifolium. Là encore, on a un critère qui n'est pas facile à observer sur le terrain, très compliqué, et de façon générale, l'observation des fruits des trèfles n'est pas chose aisée, et en particulier pour ces petits trèfles à fleurs jaunes, puisque ce sont des trèfles qui sont généralement des plantes relativement réduites avec des petites fleurs et des petits fruits. Voilà. Mais, bien évidemment, et on va le voir tout de suite, on les reconnaît spontanément assez facilement, et c'est dans ce sous-genre qu'on peut avoir des espèces qui peuvent potentiellement être confondues avec des luzernes, comme on vient de le voir précédemment. Certains auteurs, pas récemment, mais il y a pas mal d'auteurs du 19e et même du début du 20e, ont isolé ces deux sous-genres dans des genres distincts. Ce n'est pas fondamentalement choquant, ce d'autant que les analyses phylogénétiques du genre montrent bien que les chronosémiums sont clairement assez distincts du sous-genre Trifolium. En tout cas, ces deux sous-genres sont monophylétiques. Et donc, le traitement au rang de genre ne serait pas dans l'absolu choquant. Bon, c'est le traitement classique, et il est classiquement donc convenu que les chronosémiums appartiennent au genre Trifolium. La rigueur, ce n'est pas le plus important. Hein. Alors, ce sous-genre chronosémium en France, donc en France, il est constitué de 7 plantes. Sept taxons qui sont tout autant d'espèces et d'ailleurs qui ont tout le temps, quasiment tout le temps traité au rang spécifique, et cela semblant parfaitement justifié. Ils sont ici classés par ordre alphabétique et c'est dans cet ordre que je vous propose de les reprendre ce soir. Le premier n'est pas le plus fréquent, loin s'en faut. C'est une plante, comme vous voyez sur sa carte de répartition, qui est présente dans en gros la moitié est de la France et dans les Pyrénées, qui est une plante qui est inexistante ou presque dans toute la zone méditerranéenne et dans toute la zone atlantique. Elle est de préférence une plante de basse montagne, étage collinéen, étage montagnard, mais elle peut se trouver à plus basse altitude, hein, puisque dans cette carte, il y a évidemment des départements où les trèfles se rencontrent plus bas. Il s'appelle donc Trifolium aureum. Vous le verrez dans des flores anciennes, et pas que anciennes d'ailleurs, sous le nom de Trifolium agrarium. C'est une espèce qui a la particularité, comme d'autres, d'être finalement présent dans pas mal de départements français, mais n'est réellement fréquent nulle part. Donc, c'est globalement une espèce qu'on voit assez rarement, sauf évidemment les personnes qui arborisent dans des endroits où elle est parmi les plus fréquentes. Mais globalement, on pourrait penser que la carte de répartition que vous avez à l'écran signe une plante relativement commune, ça n'est pas le cas. C'est une espèce qui est quand même peu commune et qu'on voit ici et là et assez ponctuellement. Alors, elle est bien jaune, comme vous le voyez. Elle ne brunit pas, hein, comme c'est le cas de deux des espèces de ce sous-genre. Et puis, elle a une particularité qui n'est pas une exclusivité, mais qui permet de la distinguer des taxons qui lui sont proches. C'est que la foliole terminale n'est excessive, n'est pas pédicellée, comme on le verra dans des espèces proches comme Trifolium patens ou Trifolium campestre, par exemple.
une espèce qui est glabre ou subglabre et qui est une espèce assez délicate, assez jolie. Les capitules sont relativement gros, notamment par rapport à Trifolium campestre, qui est l'espèce qui est globalement la plus proche de lui. Le taxon suivant est une plante de montagne et même est une plante qui va jusqu'en haute montagne, hein, qui a un spectre altitudinal assez large, qui est une plante qui plutôt calcicole. C'est Trifolium badium et elle a la particularité, comme c'est le cas de plusieurs espèces au sein de ce sous-genre, et comme une autre espèce de ce sous-genre dans la flore de France, de brunir très rapidement. Et donc, vous avez ici l'aspect typique d'une inflorescence qui, finalement, n'est jaune que de façon très, très fugace et devient un peu marron sale. Elle a un aspect, c'est une plante, et on le verra aussi avec Spadicéum qui vient après, c'est une plante qui a une espèce d'aspect de plante fanée quand on la voit comme ça, alors que finalement, quand on la voit ici, toutes les fleurs de la partie haute sont parfaitement en fleurs, et donc elle devient très vite marron. Comme la plupart des espèces de ce sous-genre, comme l'espèce précédente d'ailleurs, les étendards ont une forme un peu particulière, ils sont un peu en cuillère, hein, donc un peu recourbés vers l'avant, ce qui est une des caractéristiques de ce sous-genre Chronosemium. On a également là une plante avec une pilosité assez courte, voire sous-glabre sur certaines parties. Et là encore, on a une foliole terminale qui est sessile, qui n'est pas pétiolée. Donc sa répartition, c'est en gros les zones de montagne en France, hein. On voit qu'elle est présente dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans les Alpes, dans le Jura, et elle est également présente en Alsace et pas dans les Vosges, par contre. Cette troisième espèce, vous la connaissez bien, c'est un des trèfles les plus fréquents, hein, de la flore de France. D'ailleurs, il est très fréquent partout dans son aire, hein. Une plante qui a une aire assez large et qui est fréquente un peu partout. Il s'appelle Trifolium campestre. Vous voyez la carte de répartition, ben là, c'est très clair. Elle est présente dans tous les départements français et en Corse. Elle ressemble finalement à Trifolium aureum qu'on a vu tout à l'heure, mais elle est plus petite. Les capitules sont plus petits également. Et puis, il y a, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette foliole terminale qui est pétiolulée, hein, c'est très net ici, ce qui n'était pas le cas, on l'a vu tout à l'heure, de Trifolium aureum. Les pédoncules qui portent les inflorescences sont de taille à peu près équivalente à la feuille adjacente, mais ne la dépassent pas ou peu, contrairement à Trifolium patens, ce qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est vraiment dans la section Chronosemium et de loin la plante la plus fréquente. Il y a des variétés qui ont été décrites, notamment Méditerranée orientale, avec une valeur, à mon avis, assez faible. Voilà. C'est une plante qui a une certaine variabilité et qui a une aire étendue. Donc voilà, point barre. Alors ensuite, on va passer à deux espèces qui sont proches l'une de l'autre. La première est de très loin la plus fréquente, c'est une plante très commune, qui est Trifolium dubium. Alors là, on a affaire à une plante de petite taille avec des petites fleurs, des petits capitules. Vous voyez, le capitule ici, il fait en gros 5, enfin, entre 5 et 10 mm de diamètre, hein. Il est relativement poussiflore. Et puis, on a ici pédicelles qui sont plus courts ou en tout cas pas plus longs que le tube du calice. Ce critère est un des critères importants pour distinguer Trifolium dubium de l'espèce suivante, qui est une espèce plus rare, Silicicole, qui est une méditerrano-atlantique, comme on le voit très bien sur son aire de répartition, et là encore, qui est une plante qui n'est fréquente nulle part. Un peu comme Trifolium aureum qu'on a vu tout à l'heure,
C'est une plante qu'on finalement, bon, alors elle est très discrète, hein, bien sûr, donc elle est sans doute sous-observée, mais c'est typiquement le genre de plante qu'on voit une fois de temps en temps, mais qu'on ne voit pas très souvent. Elle est proche de la précédente, mais on voit d'abord, elle a des capitules qui sont plus pauciflores, hein, par rapport à Trifolium dubium. Et puis, on le voit ici, on a donc des pédicelles qui sont plus longs quand ils sont développés que le tube du calice. C'est un critère assez discret, mais enfin qui est assez net et qui finalement donne, notamment, regardez ici à cette plante en fruits, donne cet aspect un peu particulier d'une plante avec des inflorescences lâches, beaucoup plus lâches que ça n'était le cas chez Trifolium dubium. Donc, Trifolium micrantum, j'attire votre attention sur ce taxon parce que je pense qu'il est de façon générale assez sous-observé, de par sa discrétion et le fait qu'il est quand même très proche de Trifolium dubium et qu'il est assez facile de les confondre, en tout cas quand on ne se penche pas et quand on les ramasse pas pour les regarder de plus près. Sixième taxon de ce sous-genre Chronosemium, c'est une plante délicate qui est un peu dégingandée, qui pousse dans des prairies humides et qui s'appelle Trifolium patens. Un Trifolium patens, d'abord, elle a vraiment un milieu très particulier, hein, elle ne pousse pas du tout dans les mêmes milieux que les espèces qu'on a vues jusque-là. Et puis, elle a cette caractéristique d'avoir des pédoncules très longs. On le voit ici, avec, comme on l'a vu chez Trifolium campestre, une foliole terminale qui est pétiolulée. Des grandes stipules, comme ça, très larges, assez peu découpées. C'est une plante très peu velue, pratiquement glabre. Et il est parfois difficile d'expliquer pourquoi on la reconnaît du premier coup d'œil. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais quand on la voit, bon, c'est sans doute aussi par rapport au milieu dans lequel elle pousse, mais quand on la voit, on la reconnaît tout de suite. Les capitules deviennent un peu orangées à maturité, comme on le voit ici. En tout cas, c'est une plante qui a vraiment un aspect assez caractéristique. Alors, elle n'est pas fréquente, même si elle est très largement répartie sur le territoire, mais bon, elle est évidemment très liée à des milieux. Ce sont des prairies humides, fauchées la plupart du temps. Et donc, il faut aller la chercher là où elle pousse, quoi, comme c'est le cas pour beaucoup de plantes. Enfin, il y en a qui poussent dans beaucoup d'endroits et d'autres dans moins de milieux. Voilà. La dernière de ce sous-genre est très facile à reconnaître. Elle est très proche, comme vous le voyez, de Trifolium badium qu'on a vu tout à l'heure. C'est Trifolium spadiceum. Alors, elle a. Par rapport à Trifolium badium, qui est plutôt calcicole, on a ici une plante qui est silicicole. Hein. Donc, du coup, elle ne pousse pas dans les milieux. C'est une plante qui pousse dans les milieux plutôt humides, frais, on va dire, des fossés, des prairies fraîches, etc. Et puis, alors, on voyait tout à l'heure badium qui brunissait rapidement. Alors, elle brunit de façon quasi instantanée. Vous voyez, ici, on a un capitule avec tout au plus quelques fleurs qui sont encore un peu jaunes, et puis dès que les fleurs s'ouvrent, elles deviennent marron, et marron très foncé. Et puis par rapport à Badium, le capitule de Trifolium spadiceum est beaucoup plus allongé. Donc c'est une plante qui se reconnaît là aussi très facilement. Par exemple, dans la région Occitanie, elle est assez commune dans l'Aubrac, mais bon, elle n'est pas commune partout, loin s'en faut. Voilà, donc c'est une plante également de basse et moyenne montagne, et on voit son aire de répartition dans le Massif central, dans le nord des Alpes et dans les Pyrénées, même si elle est beaucoup moins fréquente, hein, de façon globale, que Trifolium badium. Il y en a également dans le massif du Jura, dans le Doubs et dans le Jura. Voilà, ces têtes très allongées et très brunes qui sont vraiment très caractéristiques. Voilà pour le sous-genre Chronosemium, qui est un sous-genre donc assez réduit. Il y a des très belles espèces de ce sous-genre en Méditerranée orientale, hein, dont une d'ailleurs qui s'appelle Trifolium elegans, qui porte bien son nom, ou Boissieri. Enfin bon, c'est un sous-genre qui compte quand même quelques espèces en dehors des sept que je viens de vous présenter.
On va maintenant donc attaquer le deuxième sous-genre, qui évidemment est de loin le plus important, qui est le sous-genre Trifolium, et qui compte donc en France six sections, des petites sections, hein, notamment les deux premières, Glycyrrhizome et Paramésus, et puis des sections beaucoup plus importantes. Alors la section Trifolium est une section tout à fait considérable et de loin la plus volumineuse en nombre d'espèces, et puis les sections Trichocéphalum, qui est une petite section avec une seule espèce en France et une petite dizaine en Méditerranée orientale, et puis des sections Vélicastrum et Trifoliastrum, que nous verrons la prochaine fois. Alors, on va commencer par une espèce de clé qui, pour s'orienter dans ces sections. Hein. Premier critère, l'association de deux critères, qui sont les bractéoles soudées et des très grandes fleurs de plus de 15 mm, va signer la section Glycyrrhizome. On va voir tout de suite après l'aspect très particulier de l'espèce qui constitue cette section monospécifique. Ensuite, quand on a exclu, si j'ose dire, cette plante, on va isoler assez facilement les sections Paramésus et Trichocéphalum. Paramésus, parce que ce sont des plantes, il y en a deux, dont une en France, qui ont des stipules à marge glanduleuse. Donc, c'est un critère facile à observer. Et puis, la section Trichocéphalum, qui a une particularité, c'est que dans les inflorescences, il y a des fleurs fertiles et des fleurs stériles. Ce n'est pas toujours évident à voir, mais ça confère à ces inflorescences un aspect très particulier, un peu lâche comme ça, un peu malvenu. Et du coup, on la repère assez facilement. Et puis ensuite, on va attaquer le gros de la troupe. Et là, on va isoler la section Trifolium d'un côté, avec des fleurs non bractéolées. On va voir ça tout à l'heure. Et puis les deux autres sections, avec des fleurs bractéolées. Ces deux sections, Vésicastrum et Trifoliastrum, se distinguant l'une de l'autre par le fait que la première à des plantes qui ont des calices renflés à la fructification, ce critère est en général très net, et puis la section Trifoliastrum avec des calices non renflés à la fructification. Donc cette clé très simple permet de se repérer au sein des sections du genre Trifolium dans la flore de France. Après, on va le voir tout à l'heure, au sein de la section Trifolium, il y a de nombreuses sous-sections. Elles valent ce qu'elles valent. En tout cas, elles permettent de se repérer un peu plus facilement au sein de cette section qui compte de très nombreuses espèces. Alors, j'évoquais la section Glycyrrhizome. Alors, vous savez que à la montagne, enfin, moi, quand j'étais enfant, quand j'allais à la montagne, je mâchouillais les feuilles du trèfle alpin. Parce que je disais que c'était de la réglisse et que c'était sucré. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était sucré, mais j'en étais tellement convaincu que je trouvais que c'était le cas. En tout cas, c'est sans doute ce qui lui vaut son nom, puisque cette section donc est la section des trèfles réglisse, si j'ose dire, puisque Glycyrrhiza, comme vous le savez, est le nom de la réglisse. Trifolium alpinum, c'est son nom, est une espèce très caractéristique de montagne. En France, hein, essentiellement Pyrénées-Alpes, Massif central. C'est une plante qui est très particulière, avec notamment des fleurs de très grande taille qui dépassent très longuement le calice et qui confèrent à cette espèce un aspect qui est vraiment très particulier au sein du genre. Il y a des espèces proches qui lui ressemblent, quoique appartenant à des sections distinctes aux États-Unis d'Amérique, mais en France et en Europe de l'Ouest. Elle est vraiment très caractéristique, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Vous la connaissez bien, les folioles sont fines, allongées, comme ça. Voilà. La deuxième section qui ne compte qu'une seule espèce en France, c'est la section Paramésus, et qui est composée d'une seule espèce en France. Il y en a une deuxième dans la section qui est Trifolium strictum. Trifolium strictum est une plante qui a un aspect très particulier. Alors, le critère qui permet de l'identifier, pardon,
Très simplement, c'est ici, on voit que les stipules ont des glandes hein, sur les dents. C'est très net hein, avec une loupe à main. Mais au-delà de ça, elle a un aspect particulier parce que vous voyez, quand elle est en fruit, les fruits, ça fait partie de ces rares trèfles dont les fruits dépassent le calice de façon assez nette, avec des toutes petites têtes quand elle est en fleur, des toutes petites inflorescences. Vous voyez, ça fait en gros 5 mm. Cette plante, pour ceux qui connaissent les trigonelles du groupe Capitata, notamment Trigonella capitata, hein, qui est une plante orientale, mais qui est parfois vue ici ou là en Europe de l'Ouest. Finalement, c'est une plante qui ressemble assez à cette trigonelle, à la fois quand elle est en fleur et quand elle est en fruit. Donc, au sein du genre Trifolium, elle est vraiment très particulière, et que ce soit en fleur avec ses stipules ou que ce soit en fruit avec ses têtes fructifères très particulières, on la reconnaît, elle a encore très facilement. Alors, c'est une plante qui pousse dans les milieux plutôt sinistreux, hein, qui aime bien les milieux frais. Voilà, on le voit méditerranéo-atlantique, hein, mais là aussi, on est sur une espèce qui se voit finalement assez rarement. Ce n'est pas une plante commune nulle part. Donc, on la voit de façon épisodique. Troisième section, donc la section Tricocéphalum. Alors, c'est une plante, pour parler de Trifolium subterraneum, très particulière. Il faut savoir que cette section, qui ne compte en France que cette espèce, avec deux variétés qu'on va voir après, est une section qui compte une dizaine d'espèces en Méditerranée orientale, avec des espèces d'ailleurs qui sont assez, assez sympas. Alors, les inflorescences sont, comme vous le voyez, assez lâches, assez malingres, avec des fleurs stériles, mais bon, sur la représentation que j'ai là, c'est pas très net. C'est souvent difficile à voir sur Subterraneum. Sur certaines autres espèces de la section, c'est beaucoup plus net. Mais bon, Trifolium subterraneum est une espèce qui se reconnaît facilement de par son inflorescence, de par également ses feuilles hein, qui sont très particulières. Vous voyez ces folioles là, qui sont obcordées. Elle enterre ses gousses. Hein. Donc là, eh bien, on a l'aspect caractéristiques qu'ont les infrutescences qui sont ensuite enterrées par la plante comme phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de tribus totalement différentes au sein de la famille des Fabacées. Il y en a également d'ailleurs chez une luzerne orientale et puis ici ou là dans la famille. Voilà. Alors, ce Trifolium subterraneum, pardon, il compte deux variétés. Alors, c'est pas facile à voir. Il faut aller vraiment regarder les fruits de près. Ici, vous avez Trifolium subterraneum, sous-espèce subterraneum. Donc, on est vraiment dans l'aspect typique. Vous voyez qu'on a un fruit qui dépasse le calice, mais qui le dépasse peu. On va dire que le fruit fait à peu près le double de la taille du tube du calice. Dans cette variété flagelliformée, qui n'est présente en France aujourd'hui qu'en Corse, en tout cas qui n'a été vue récemment en France qu'en Corse, on a un fruit au contraire qui est beaucoup plus grand et dont la taille est au moins de 3 fois celle du tube du calice. Bon, après, c'est toujours pareil, on le voit quand on le cherche. Quand vous voyez Trifolium subterraneum comme ça et que vous ne regardez pas de près, évidemment, vous voyez toujours le même. Donc, il faut regarder. Il a été cité, mais de façon tout à fait sporadique, donc en France continentale, enfin, sur la, oui, France continentale, pardon. Mais aujourd'hui, il est présent et vu régulièrement qu'en Corse. Voilà. Il a été appelé Oxalioides également. On va ensuite attaquer, et on n'en fera qu'une partie ce soir, la section Trifolium. Donc la section Trifolium, elle va se distinguer des autres sections par le fait d'avoir des fleurs non bractéolées.
Donc ça, c'est une inflorescence de trèfle ouverte, hein. Tout ça, ce sont des cicatrices, hein, que vous voyez, de fleurs qui ont été enlevées pour visualiser le fait que vous n'avez pas de bractéoles à la base des calices. On verra la prochaine fois que dans les autres sections, il y a des bractéoles qui sont très nettes. C'est un critère facile à observer, hein. Voilà. Donc, n'essayez pas de vous arracher les yeux en vous demandant s'il y en a ou s'il n'y en a pas, hein, comme par exemple chez les astragales. Hein, le critère des bractéoles chez les astragales est un critère extrêmement compliqué. Hein, et donc, sauf quand on en voit de façon évidente, eh bien, souvent on se demande s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Là, chez les trèfles, c'est facile. Quand il y en a, elles se voient bien. Ici, il n'y en a pas. Donc, cette sous-section Trifolium, ce sont des plantes annuelles ou pérennes avec des calices. Alors là, on va passer, oui, pas longtemps pour moi, de la sous-section Trifolium, puisque cette section Trifolium est une très, très grande section qui compte la majorité des espèces de trèfle et donc elle a été découpée en sous-section. Ça a au moins le mérite d'exister et de permettre de se repérer, hein. On est vraiment sur des choix taxinomiques qui… à mon sens, n'ont intérêt que pour se repérer facilement. Il n'y a pas forcément, pour toutes ces sous-sections, de convergence entre le traitement taxinomique traditionnel et la phylogénie, même si le genre Trifolium n'a été que partiellement étudié au niveau phylogénétique. La sous-section Trifolium, alors, je rappelle, hein, on s'était vu pour le code de Shenzhen, c'est donc là-dedans qu'on va trouver le type du genre. Et on va y venir juste après. Donc, ce sont des plantes annuelles ou pérennes avec des calices à 10 nervures. C'est important. Hein, je le disais tout à l'heure, le nombre de nervures sur le calice des trèfles est un critère très important pour s'orienter. Dans la sous-section Trifolium, il y a 10 nervures. Les dents sont aussi longues ou plus longues ou plus courtes, pardon, que le tube. Et l'inférieure est souvent plus longue que les supérieures. La gorge calicinale est ouverte, avec ou sans anneau de poil, mais on n'est pas dans des trèfles avec la gorge refermée, comme on le verra un peu plus tard et surtout la prochaine fois. Et puis, on est sur des trèfles qui ont en général des corolles assez grandes, qui sont plus longues et souvent beaucoup plus longues que le calice. Alors, la première espèce, évidemment, c'est le type du genre, c'est Trifolium pratincé. Alors, Trifolium pratincé, d'ailleurs, j'ai fait une coquille, hein, flûte. Excusez-moi, je vais tout de suite corriger ça. Voilà. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, normalement, mon écran est à nouveau partagé. Criez si ce n'est pas le cas. Donc, Trifolium pratincé, dans sa variété pratincée classique, le trèfle des prés, est une des espèces, peut-être l'espèce la plus commune du genre Trifolium dans la flore de France et en Europe. Vous la connaissez bien, hein, on va y retrouver les critères qu'on évoquait tout à l'heure, avec des dents qui finalement sont relativement courtes, puisqu'elles sont plutôt plus courtes que le tube, des fleurs qui sont grandes, et puis le calice à 10 nervures qu'on voit assez peu sur cette iconographie et dans cette espèce d'ailleurs. Alors, Trifolium pratincé a la particularité d'avoir des folioles qui sont marquées, hein, de traces blanchâtres. C'est pas systématique, mais c'est quand même extrêmement fréquent et c'est un critère tout à fait intéressant, mais qui n'est pas exclusif à cette espèce. Il y a d'autres trèfles, y compris dans d'autres sections, qui ont ce type de marque sur les folioles. Les stipules sont des stipules larges avec une partie libre qui est assez courte, notamment par rapport à d'autres espèces, y compris de cette sous-section. Alors, au sein de Trifolium pratincé, il y a plusieurs taxons. À mon avis, ces taxons ont une valeur faible et correspondent plus à des adaptations, finalement, à des conditions particulières. Et on va voir, l'une est maritime,
l'autre est de montagne, etc. Donc, on pourrait qualifier ça de morphose, peu importe. On a l'habitude de les traiter plutôt au rang de variété. Et à mon avis, ça suffit très largement. Alors, la première d'entre elles, ça, c'est le critère qu'on vient d'évoquer. La première d'entre elles, excusez-moi pour cette iconographie, n'est pas celle d'une plante fraîche, c'est la variété Maritimum. Donc, c'est une variété qui pousse en bord de mer. Alors, elle est assez fréquente au Pays Basque, également dans la Pointe-Bretagne. Bon, c'est une forme maritime à pilosité importante, longue, étalée. Les corolles sont généralement grandes et assez foncées. Et on le voit ici sur toutes les parties de la plante avec cette pilosité qu'on voit ici ou qu'on reverra tout à l'heure dans une vue d'ensemble au niveau des pédoncules. Bon, deux voies moins, c'est pas bouleversant hein, quand même, cette affaire. Mais enfin, bon, c'est classiquement traité dans les corps et bon, c'est une variété, ça vaut pas plus. La deuxième variété, qui est la variété de montagne, et qui est appelée variété Vilosum, une variété de Candolle, vous voyez qu'elle est quand même très proche de la variété Pratincée. Elle est en général rose pâle, comme vous l'avez ici. Elle est velue, hein, et finalement, si ce n'est la couleur des fleurs, hein, qui est généralement beaucoup plus claire, elle ressemble hein, finalement à la variété maritime. La partie libre des stipules est en général un peu plus longue que sur le type, mais enfin, bon, voilà, on est quand même sur un Trifolium pratincé, et puis voilà, quoi. Cette quatrième variété est une variété cultivée qu'on trouve parfois, souvent en plein champ, hein, qui est semée, donc qui s'appelle variété Sativum, qui est une très grande plante, qui fait souvent au moins 50 cm de haut, et qui est glabre, ou pratiquement glabre. On voit ici, par exemple, sur les stipules, ici et là, on voit, pardon, sur les stipules, là, on voit que les stipules ont quelques cils, mais sont très glabres. C'est une plante qu'on voit quand même pas souvent, mais qui est, comme je vous le disais, parfois semée, comme le sont pas mal de légumineuses, dont vous savez qu'elles enrichissent les sols en azote. Il y a une autre variété qui a été citée en France et en Europe, qui s'appelle la variété Americanum, qui est également une forme cultivée, mais encore plus grande, qui fait presque 1 mètre de haut et qui a des fleurs qui sont pratiquement rouges. Nous n'avons pas de traces concrètes de la présence de ce taxon en France, donc on ne l'a pas traité dans la monographie. Mais bon, voilà, il n'est pas impossible qu'un de ces quatre matins, on puisse la trouver dans une prairie semée ici ou là. C'est en gros un très grand sativum à fleurs quasiment rouges. Ça doit être très joli d'ailleurs. J'en ai jamais vu en vrai, mais pour les iconographies qui en est faite, c'est une plante assez spectaculaire. Là, on est à un sativum sur des capitules qui sont très gros. Hein. Vous voyez, c'est des bestiaux hein, quand même. Alors, je vous ai mis là les quatre pédoncules hein, pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est Pratincé, Pratincé. Ça, c'est la variété Maritimum. Ça, c'est la variété Sativum. Et puis, ça, c'est la variété Vilosum. Donc, vous voyez, Pratincé, on a une pilosité qui est plutôt appliquée, qui existe, qui est assez dense et appliquée. À l'inverse, donc, Sativum est totalement glabre. Elle est fistuleuse aussi. Hein. C'est une plante qui a une tige et des pédoncules, mais surtout une tige fistuleuse. Ici, on a donc la variété maritime avec de longs poils étalés, et puis la variété Vilosum est également velue avec des poils qui sont, comment dire, ascendants, étalés ascendants. Voilà. Bon, ça se ressemble quand même tout ça. Hein. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, comme dirait l'autre. Alors ça, par contre, c'est une autre plante très intéressante et qui, de surcroît, a été souvent confondue dans la flore de France. On est toujours dans la même sous-section, hein, et vous voyez que c'est une plante qui ressemble hein, à Trifolium pratincé. C'est Trifolium diffusum. La Trifolium diffusum, elle a des corolles plus claires, elle a des corolles surtout beaucoup plus petites,
ce qui donne à ces têtes, ces inflorescences, cet aspect un peu particulier. Hein. Tout à l'heure, on avait vu avec Pratensé, hein, je le rappelle, des plantes avec des fleurs et des corolles qui dépassent très, très largement le calice. Ben, ce n'est pas le cas du tout. On retrouve ces macules sur les folioles, hein, plantes assez velues, avec des dents très longues, beaucoup plus longues en tout cas que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, pour des raisons assez bizarres d'ailleurs, cette plante a été confondue en France avec Trifolium hirtum, qui est quand même assez différente, même si elle a des points communs, notamment la pilosité, les longues dents, etc. Enfin, les fleurs ne sont pas de même couleur, et puis il y a plein d'autres critères qui diffèrent. Et notamment dans le Var, là, il y a eu quelques confusions assez fâcheuses. C'est une plante qui est quand même peu fréquente en France. Hein. Elle est dans le Vaucluse, dans le Var, en Corse, dans les PO, mais enfin, je pense qu'elle peut, c'est une plante qui peut, un de ces quatre matins, être trouvée dans les Rhônes, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, enfin, dans le sud de la France. Je pense qu'elle était, maintenant, elle commence à être mieux connue, mais elle était quand même globalement assez mal connue. Et je pense qu'il y a eu des confusions avec d'autres espèces. Voilà. Jolie petite plante qui peut devenir d'ailleurs assez haute, hein, mais qui est assez discrète et qui a une aire de répartition assez étendue. Alors là, j'ai malheureusement pas de scan de plantes fraîches à vous présenter pour Trifolium pallidum, qui est une plante orientale. Pas que méditerranéenne, elle est également présente dans l'Europe de l'Est, etc. Trifolium pallidum, en France, elle est présente en Corse. C'est une plante de la même section, voilà, avec l'aspect toujours de cette section. Les fleurs sont intermédiaires en taille entre ce qu'on a vu chez Diffusum et ce qu'on a vu chez Pratensé. Les stipules aussi, d'ailleurs, on a des stipules comme ça qui sont assez larges et qui sont abruptement rétréci, une espèce de partie libre, finiforme. Et puis, on a surtout des dents du calice qui sont extrêmement fines. Hein. Donc, c'est une plante assez facile à identifier et qui, comme son nom l'indique, a des fleurs, on va dire, blanchâtres, roses pâles. Voilà des critères pour l'identifier. Voilà pour cette première sous-section, Trifolium. On va passer à une deuxième sous-section qui ne compte en France que très peu d'espèces. C'est la sous-section intermédiaire. Elle porte assez bien son nom d'ailleurs, puisqu'elle est intermédiaire entre le groupe Pratensé, la sous-section Trifolium et d'autres sections, sous-sections qu'on verra après. Là, on est sur plante pérenne avec des calices à 10 nervures. Glabre, c'est une particularité, et puis une callosité bordée de poils au niveau de la gorge, qui sont difficiles à représenter sur les photos que je vous montre, les scans que je vous montre, mais qui à la loupe se voient assez facilement. Donc cette plante, voilà, c'est Trifolium medium, vous la connaissez bien, plante qui est répartie sur tout le territoire, elle est moins fréquente en zone méditerranéenne, elle est quand même plus fréquente en basse et moyenne montagne. C'est une plante assez spectaculaire. On voit bien les nervures du calice, hein, comme la flèche l'indique. Hein. Comme le calice est glabre, on peut les compter. Souvent, on a du mal à compter les nervures, non pas parce qu'elles sont pas mal marquées, mais parce que les calices sont très velus, et donc il faut arriver à les distinguer sous les poils. Là, il n'y a pas de problème. Une corolle très grande, beaucoup plus longue que le calice, des grandes folioles, glabres également, ciliée à la marche souvent, et puis avec là encore une macule, comme on l'a vu sur la section précédente. Et puis une partie libre des stipules qui est très longue, très fine, comme ça, subulée et très allongée. Bon, c'est une plante qui pousse souvent en bordure en lisière forestière, etc. Bon, c'est une plante très fréquente et que vous connaissez bien, qui est très facile à identifier. Hop là. Donc, après cette section donc, qui est monospécifique, on va passer maintenant à également une petite section et qui compte deux espèces sur le territoire français, qui est la sous-section au creux-le-cas. Les sous-sections qu'on est en train de voir sont proches les unes des autres. Hein. Elles sont notamment des sous-sections à calice à 10 nervures et qui ont quand même beaucoup de caractéristiques proches les unes des autres. Donc,
C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Objectivement, la création de ces sous-sections est un repère, mais il y a bien des genres où toutes ces plantes seraient comme elles le sont dans la même section et pas forcément séparées, où il y aurait des sous-sections beaucoup plus larges que cela. Gibelli et Belli ont fait un travail tout à fait intéressant et qu'elles méritent d'exister, mais ils ont eu tendance vraiment à beaucoup saucissonner la section trifolia. Alors, cette sous-section au Creux-le-Cas, évidemment, elle se caractérise, comme son nom l'indique, par le fait de compter des plantes à corolle blanchâtre, à grande corolle, et pour le reste, elle est assez proche de la section précédente avec un calice à l'innervure glabre et puis des dents subulées inégales, beaucoup plus marquées que ça n'était le cas dans la section précédente. Alors, cette sous-section compte deux espèces, une espèce commune et une espèce très rare en France. La première qui est commune, c'est Trifolium ocrolucum. Trifolium ocrolucum, elle pousse quasiment dans toute la France, à part en Bretagne et dans le nord de la France, dans l'extrême nord de la France, mais autrement, on la trouve un peu partout. C'est une très jolie plante, avec, comme son nom l'indique, des corolles qui sont longues, mais qui sont surtout blanchâtres, jaune blanchâtre, ocrolucum, ça lui va bien. On voit vraiment cette caractéristique qu'on va retrouver dans l'autre espèce, c'est ces dents extrêmement inégales. On voit cette dent inférieure qui est beaucoup plus longue que les dents supérieures. On a d'innervures, donc là on en voit une, deux, trois, quatre, cinq. Donc cinq de l'autre côté, ça fait bien 10. Et puis après, on va trouver ici des stipules qui sont avec une partie libre qui est également fine, mais moins fine que ce qu'on a vu précédemment. Bon, c'est une plante, là encore, très facile à identifier, elle est assez velue. Enfin, voilà. Et puis, la suivante est également très facile à identifier. Elle est très facile à identifier parce qu'elle est extrêmement spectaculaire. C'est un des trèfles, et je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, peut-être le trèfle avec les inflorescences les plus grandes. On le voit ici, vous voyez ces inflorescences, regardez, 1 cm, 2 cm, 3 cm, elle fait pratiquement 40 mm de diamètre, cette inflorescence. On va retrouver une structure de la fleur qui est très proche finalement de ce qu'on a vu chez Ocrolucum, avec cette dent très longue ici, et puis surtout cette corolle qui est très très grande. Les folioles sont plus allongées que dans l'espèce précédente, et puis on a là alors des stipules qui sont très longuement gainantes autour de la tige. Donc, cette plante s'appelle Trifolium pannonicum. Elle n'est présente en France que vraiment à l'extrême est des Alpes-Maritimes, notamment dans la Roya. Ces stations sont vraiment comptées. C'est une plante en limite d'air. Non, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en préoccuper en France, bien sûr. Mais on est sur une plante qui, en Europe centrale et en Europe de l'Est, et puis qui après, en Turquie, est une plante relativement commune. On voit souvent, voilà. Et on la voit souvent, d'autant plus qu'il est difficile de la rater, puisque même en roulant assez vite, quand il y en a au bord de la route, on la repère bien, puisque c'est une plante très spectaculaire. C'est pour ça que c'est le seul trèfle dont je vous ai mis une photo in situ aujourd'hui. Ça, c'est une photo prise dans les Alpes-Maritimes. Donc, vous voyez, c'est une très, très grande plante. Ça fait 40-50 cm avec des très gros capitules. Donc, c'est une plante absolument magnifique. Et on la voit, je vous disais, en Roumanie, Bulgarie, on la voit assez souvent. Puis en Turquie, on la voit très souvent. Donc, en lisière forestière, notamment. Pas que. Là, c'est sur un coteau plus ouvert. Voilà. Mais en lisière de forêt, surtout. Trifolium pannonicum, le trèfle de Hongrie. Je ne suis jamais allé en Hongrie, j'imagine qu'il y ait, enfin, je sais qu'il y ait également et qu'il doit y être assez fréquent. Enfin, en Bulgarie, par exemple, il est pas très commun, mais enfin, on le voit régulièrement. Voilà, on va donc s'éloigner progressivement du type, et puis on va attaquer maintenant une section qui compte deux espèces, qui est la sous-section, Alpestria. Alors, on va passer là à des trèfles dont les calices ont 20 nervures avec des dents très inégales.
Une gorge calicinale ouverte avec un anneau de poils, c'est pas très différent de ce qu'on a vu. Et puis on a des corolles là qui sont anthocyanées, on n'est plus sur les corolles blanches, qui sont beaucoup plus longues que le calice. Donc il y a deux espèces en France qui se ressemblent beaucoup, et pour autant, quand on les voit, on les confond pas spontanément. Donc elles ont à la fois, elles sont, et on va, quand vous allez voir des images, vous allez les trouver très proches l'une de l'autre, mais à la fois elles sont relativement différentes. Donc la première, qui est la moins fréquente des deux, c'est Trifolium alpestré. Trifolium alpestré, donc on voit des grandes fleurs, hein, avec des dents très inégales, vous voyez ici, des toutes petites dents supérieures, longues dents inférieures. C'est une plante qui a la particularité, on le distingue un peu là, mais c'est pas très net, souvent d'avoir des têtes géminées. C'est-à-dire qu'on a une tête, enfin, et une deuxième tête, qui sont sessiles. Et il y en a souvent une qui est en avance par rapport à l'autre au niveau maturation. Donc en gros, il y en a une grosse, une petite. Vous voyez l'idée? Donc avec des folioles comme ça qui sont grandes et assez allongées, une plante assez spectaculaire, avec une partie libre de la stipule qui est effilée, subulée et allongée. Et puis l'autre, et là, juste j'attire votre attention sur le fait que les inflorescences sont globuleuses. Alors que la deuxième, Trifolium rubens, qui est plus fréquente, la première, hein, c'est en gros, vous voyez, une petite moitié est de la France, c'est quand même plutôt une plante de basse et moyenne montagne, voilà, en pleine, elle est rarissime. Rubens, c'est une plante beaucoup plus fréquente, et elle a des capitules allongés. Ce qui fait sans doute que on distingue assez facilement ces deux espèces par leur aspect d'emblée. Et puis il peut y avoir, mais il y a beaucoup moins souvent, cette notion de capitule géminée comme on l'a sur Trifolium alpestré. Mais vous voyez les fleurs, regardez ici et là, hein, c'est quand même très très proche. Hein. Et on voit bien ici les 20 nervures. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10 de l'autre côté. Ça fait bien 20. Les folioles sont plus fines et puis les stipules sont différentes. Vous voyez, on a des stipules là qui sont glabres avec une partie libre qui est assez large, on va dire triangulaire, hein, étroitement triangulaire, alors qu'on avait ici des stipules velues avec une partie libre qui est quasiment subulée. Voilà pour les deux espèces de cette sous-section alpestrière. Alors on va continuer, on va revenir à une section avec un calice à 10 nervures, qui est une section de plantes qui ont des aspects assez différents, assez distincts. On va voir quatre taxons. C'est la sous-section Stellata. Alors on a ici des plantes avec 10 nervures, des dents subégales, des folioles obovales cordées, c'est important, hein, c'est un critère important de cette sous-section, et puis une gorge obstruée par un anneau de poils. Comme on l'a déjà vu, mais elle est moins ouverte. La première enfin, le premier de ces quatre taxons, donc, est une espèce qui compte deux variétés, hein, c'est Trifolium incarnatum. Donc, Trifolium incarnatum, en France, il est semé en grand et de surcroît, depuis pas mal de temps, il est souvent intégré dans des mélanges pour faire des prairies fleuries. C'est une très jolie plante, hein. Et donc, du coup, on le retrouve ici ou là. J'en ai trouvé il n'y a pas longtemps dans Montpellier, à côté du tram, près du centre commercial Auchan, pour les Montpelliérains, il y en avait. J'en ai vu l'autre jour, je sais plus où, dans le Gard. Enfin bon, c'est une plante qu'on voit comme ça et souvent issue soit de semis en grand, et là, on a carrément des prairies entières de trèfle internat, soit issu de ces mélanges pour prairies fleuries. Et donc, du coup, c'est souvent en bord de route, près des voies de circulation, etc. Donc, la variété incarnatum, ben, elle est incarnat. Hein. La fleur est donc avec cette jolie couleur homogène, hein, contrairement à la variété sauvage qu'on va voir après. Et les fleurs sont relativement courtes, c'est-à-dire qu'elles sont plus longues que le calice, hein, mais vous voyez qu'elles dépassent à peu près il y a un rapport en gros de
de 150% entre la corolle dans son entièreté et le canis intégrant les dents. Donc la forme des folioles, on le voyait juste avant, donc les caractéristiques, et puis on a des stipules comme ça qui sont un peu tronquées, donc avec une partie libre qui est finalement un peu ratatinée, et souvent dans la variété incarnatum, dans l'autre variété également, mais dans cette variété de façon quasi systématique, également violacée. Hein. Donc, et puis ces inflorescences très allongées, hein, vraiment, c'est une plante très caractéristique et qui est vraiment très élégante. Je comprends qu'elle intègre les prairies fleuries. C'est un bon choix. La variété qu'on voit à l'état sauvage et qu'on voit beaucoup, c'est la variété Molinieri, hein, dédiée au botaniste italien du même nom. Elle ressemble bien sûr, hein, c'est la même espèce, mais les corolles sont bicolores. Hein. Alors, quand on voit la fleur ici, elle est rose, mais vous voyez ici, la fleur quand elle est jeune est souvent blanche et puis devient rose par la base, et puis devient rose foncé à l'anthèse. Mais on a une inflorescence qui est moins longue, hein, moins allongée que dans la variété incarnatum. On va retrouver au niveau des feuilles et au niveau des stipules, des formes finalement qui sont tout à fait comparables. Alors, on voit là qu'il y a également là, ces marques un peu violettes, un carnat. C'est moins systématique et moins net hein, que la précédente, hein, ici, d'accord? Et puis, au niveau de la fleur, eh bien, vous voyez le rapport ici, il est d'à peu près 2, c'est-à-dire que la fleur dépasse beaucoup plus nettement le calice que ça n'était le cas dans la variété incarnatum, ce qui confère finalement à l'inflorescence un aspect différent. Ici, on voit bien que les fleurs dépassent, mais dépassent peu, alors que là, on voit bien que les fleurs dépassent nettement. Alors, cette plante, Trifolium incarnatum variété Molinieri, a été souvent confondue avec Trifolium sylvaticum, qu'on va voir juste après, qui fait partie de la même section, qui est beaucoup, 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 beaucoup plus rare. Mais c'est vrai que, notamment pour des gens qui n'ont jamais vu sylvaticum, quand on prend les fleurs, on peut se tromper assez facilement, et notamment, je vous mets en garde pour ceux qui utilisent la fleur de Coste, qui est une fleur admirable, hein, c'est pas du tout une critique. Mais souvent, quand on prend la fleur de Coste et qu'on est sur Trifolium incarnatum variété Molinieri, on arrive à Trifolium sylvaticum, on croit avoir découvert une rareté, ça n'est pas le cas. Voilà. Bon, on est quand même sur des espèces qui sont proches, hein, sur la même section. On va voir juste après qu'elles sont quand même très différentes. Donc ça, c'est une plante qui est alors très commune dans le Midi, hein, dans l'ouest de la France. Par contre, elle est absente en gros du quart nord-est. Hein. Elle est plutôt en expansion, donc je pense qu'il n'est pas impossible avec le réchauffement climatique, qu'elle se rencontre dans des départements un peu plus septentrionaux dans les années à venir. Troisième taxon de cette sous-section Stellata en France, c'est Trifolium stellatum, donc qui doit son nom à la section, ou la section doit son nom à cette espèce, plutôt. Donc Trifolium stellatum, c'est un des trèfles les plus fréquents dans les départements bordant la Méditerranée, hein, qui remonte un petit peu, mais pas beaucoup, hein. On voit que c'est quand même vraiment une plante méditerranéenne, hein. Comme on le voit sur cette carte. Alors elle a cet aspect très très particulier qui lui vaut son nom. Quand on voit l'inflorescence très jeune, donc on n'a rien de particulier si ce n'est que les fleurs sont courtes, hein, elles dépassent finalement très peu les calices, hein, contrairement aux deux autres taxons qu'on vient de voir. Évidemment, il y a ces stipules très très larges avec une partie libre qui est pratiquement inexistante. Hein. On a des stipules qui sont presque suborbiculaires, hein, très veinées, enfin caractéristiques. Il y a d'autres trèfles qui ont cet aspect-là, mais surtout, très vite, dès que la plante fane, on a donc ces calices qui s'élargissent en étoile et qui donnent à ce trèfle son aspect caractéristique et son nom, Trifolium stellatum. Donc c'est vraiment la plante des garrigues, des coteaux secs, etc., dans toute la frange méditerranéenne. Voilà. Qui fleurit
très tôt. Et puis le quatrième taxon de cette sous-section est de loin le plus rare en France, c'est Trifolium sylvaticum. Donc Trifolium sylvaticum, c'est une petite plante qui a une particularité, c'est d'avoir, et ça c'est vraiment quasiment systématique, d'avoir cet aspect avec un capitule ici terminal avec un pédoncule assez court, et puis un autre capitule qui est latéral avec un pédoncule plus long. Et donc on a de façon quasiment systématique ces deux têtes là décalées l'une de l'autre. Et c'est sans doute le critère le plus simple pour repérer instantanément Trifolium sylvaticum. Autrement, c'est une plante avec des petites fleurs qui dépassent le calice un peu, mais enfin qui sont discrètes, qui sont palichonnes. On va retrouver les critères de la section avec des folioles qui sont quand même un peu moins larges que les précédents, mais des stipules qui ressemblent finalement à ce qu'on a vu précédemment, et notamment aux stipules de Trifolium stellatum. C'est une plante silicicole qui est rare en France. Alors, elle a quelques foyers, et notamment, il y a un foyer dans le Var et un foyer assez important dans l'Ardèche. Et puis, vous avez dans l'Aude et les PO, comme ça, quelques stations ici et là, ainsi que dans l'Aveyron. Et je me demande d'ailleurs, je crois que Nicolas Leblond est avec nous ce soir, je me demande si ce n'est pas lui qui l'a retrouvé dans l'Aveyron. Je n'ai plus mes notes en tête, mais en tout cas, elle est présente, je crois, au Rouget de Camarès. En tout cas, c'est une plante très peu fréquente en France. C'est une plante orientale et par contre, qu'on rencontre assez régulièrement, notamment au Proche-Orient et en Turquie. Turquie, c'est une plante qu'on voit souvent. Donc, on est sur une plante qui, en France, est en limite d'air. On continue, on a bientôt fini pour ce soir, la sous-section Sthenosemium. Donc là, on est sur des plantes annuelles, à feuilles, folioles obovales obcordées, calice à 10 nervures, urcéolées à la fin. Alors, urcéolées, c'est un terme qu'on verra pour d'autres sous-sections ou d'autres sections. Ça veut dire que le calice se resserre à la gorge et donc paraît étranglé et forme une petite outre. On le verra dans pas mal d'espèces avec des dents inégales et divergentes et surtout une caractéristique qui ne lui est pas propre mais qui est quand même assez typique dans cette sous-section, c'est des inflorescences sessiles. Alors, la plante de cette sous-section que vous connaissez bien, c'est Trifolium striatum, plante silicicole, plante qui est répartie quasiment dans toute la France. Elle aime pas le calcaire, donc il faut aller chercher des zones siliceuses plutôt. C'est pas strict, mais enfin, elle préfère quand même la silice. Petite fleur, comme on le voit ici, avec des dents courtes du calice, fleurs qui dépassent. Donc, contrairement à ce qu'on verra juste après, on a quand même des corolles qui dépassent nettement le calice, des stipules très très larges, et puis donc cet aspect dans la plante est fanée de ces têtes avec ces calices urcéolés, c'est-à-dire vous voyez, on voit que les calices sont resserrés à la gorge, ce qui donne cet aspect un peu caractéristique qu'on va retrouver chez d'autres trèfles qui sont dans des sections qui n'ont rien à voir d'ailleurs, et qu'on verra la prochaine fois. Cet aspect caractéristique signe un calice urcéolé quand on le dissèque, et là finalement il va se gonfler un peu dans la partie inférieure, se resserrer ici, et les dents vont s'éloigner les unes des autres et s'étaler comme ça. Trifolium striatum. La sous-section Trichoptera est très proche de la précédente. Elle a beaucoup de critères en commun. Les dents ne sont pas divergentes, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Donc, ça veut dire, si les dents ne sont pas divergentes, ça veut dire que le calice n'est pas urcéolé. Mais on est aussi sur des inflorescences sessiles. Par contre, les corolles sont plus petites. Et on va trouver ici Trifolium bocconii. Il y a une autre espèce dans cette section, dans cette sous-section qui est plus orientale. Mais Trifolium bocconii, donc là aussi, c'est une plante qui aime bien la silice, qui est une plante qui est pas très commune en France, qu'on va trouver ici ou là. En Corse, elle est pas rare. Et puis après, bon, évidemment, ici sur
dans des zones dans l'ouest de la France où il y a beaucoup de sable, etc. On la trouve plus fréquemment. Enfin, c'est quand même pas une plante très commune, loin s'en faut. Elle ressemble finalement un peu à Triphyllum striatum qu'on vient de voir. Par contre, on le voit, les corolles sont beaucoup plus petites, hein, et dépassent à peine les dents du calice, ce qui donne à ces têtes, qui sont souvent géminées d'ailleurs, comme on l'a ici, qui donnent à ces têtes un aspect très particulier. Voilà, Triphyllum bocconei, une plante loin, loin d'être commune, hein. Ensuite, on va passer à la sous-section Scabroidea, qui compte trois taxons. Donc, ce sont là encore des petites plantes annuelles avec des calices à 10 nervures. On est là, vous l'aurez compris, sur des sous-sections qui sont quand même très proches les unes des autres, hein. On est là sur une caractéristique dans cette sous-section, c'est des dents inégales rigides. Elles sont pas piquantes, mais pas loin, hein. Quand on les touche comme ça pique presque le bout des doigts. Donc, il y a vraiment cet aspect très caractéristique avec des stipules qui sont membraneuses et elles aussi un peu rigides. On est sur des plantes du même groupe, avec des petites plantes, avec des inflorescences qui sont sessiles. Alors, la première, c'est Triphyllum scabrum. Alors, c'est une banalité dans le Midi, hein. C'est partie des trèfles les plus fréquents dans le Midi. Elle est par contre répartie dans presque toute la France, à part le nord-est, mais elle est quand même moins fréquente dans les régions plus septentrionales. Bon, ça pousse sur des milieux plutôt sablonneux, mais pas exclusif. Et on voit vraiment ces calices, hein, donc, alors, c'est difficile de se rendre compte, mais ces calices qui sont avec ces dents qui deviennent, elles sont triangulaires, elles sont pointues et qui deviennent presque piquantes, hein. Donc, petites plantes avec des petites têtes, on voit que les corolles dépassent à peine le calice et on a ces stipules qui sont membraneuses, scarieuses et elles aussi qui deviennent rigides. Hein, Triphyllum scabrum. Alors, l'espèce suivante est souvent traitée en sous-espèce de Triphyllum scabrum. Sous la combinaison Triphyllum scabrum, sous-espèce lucanica. Il se trouve qu'il y a une troisième espèce dans cette sous-section. Ça s'appelle Triphyllum dalmaticum, et qui, comme son nom l'indique, est plus orientale, même si celle-ci est également orientale. Elle commence réellement son aire de répartition en Italie et plus à l'est. Dalmaticum ayant une aire plus réduite, hein, au niveau de, notamment très centrée sur les Balkans. Dès lors que Dalmaticum, pardon, est traité très généralement comme une espèce, je pense qu'il est plus cohérent de traiter Lucanicum elle-même comme une espèce. En gros, soit on fait trois sous-espèces de ces trois plantes, et à ce moment-là, c'est des sous-espèces de Scabrum, soit on a fait trois espèces différentes. Et objectivement, aujourd'hui, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on traite ces trois taxons au rang spécifique. Lucanicum, alors, typiquement, c'est le genre de taxon que beaucoup de gens espèrent voir. Et tant qu'ils ne l'ont pas vu, dès qu'ils voient un scabrum qui a une tête un peu particulière, ils se disent c'est peut-être Lucanicum. Quand ils ont vu Lucanicum, après c'est fini, parce qu'en réalité il est quand même assez différent de scabrum. D'abord par ces inflorescences qui sont comme ça un peu allongées, hein, beaucoup plus longues, une espèce de grande bractée en bas qui engaine l'inflorescence, qui n'est pas le cas chez scabrum. Pour le reste, ça se ressemble avec des fleurs qui sont relativement proches, etc. C'est moins piquant, c'est moins rude que Scabrum. Enfin, c'est proche, mais c'est vraiment une espèce distincte. Et une fois de plus, quand on l'a vu, après, c'est fini, on ne peut plus jamais voir des Scabrum qui ont une drôle de tête et penser que c'est des Lucanicum. C'est un peu comme la Tyrus sphericus et la Tyrus inconspicus. Hein, voilà. C'est un peu le même principe. Donc en France, c'est une plante qui est quand même très localisée, qu'on rencontre ponctuellement, même très ponctuellement. Elle est en Corse aussi, hein, dans le nord de la Corse. Bon, sans doute maintenant clairement naturalisée, si ce n'est peut-être sauvage. Puis après, on la trouve à partir d'Italie, et c'est une plante qui est assez commune dans l'est de la Méditerranée, en Turquie, etc. Hein, on la voit souvent. Voilà cette grande bractée engainante. Et puis on va terminer pour ce soir avec la sous-section Cléoidea.
Donc, on est là encore sur des plantes annuelles avec des nervures fortes, dix nervures fortes, on va le voir, des dents élargies à la base et des corolles plus courtes ou également le calice. Alors, par contre, contrairement à ce qu'on vient de voir, ces plantes-là ont des pédoncules qui sont développés. Il y a deux taxons en France. Le premier, c'est Trifolium ligusticum. Alors, on est sur une plante de silice, hein. Sur calcaire, c'est pas la peine de la chercher. C'est une plante qui est très facile à reconnaître, comme la prochaine d'ailleurs. Et là, c'est de par ces fleurs qui sont très petites et qui ne dépassent pas le calice, ça fait des inflorescences qui ont cet aspect très particulier. Finalement, on voit les dents du calice sont très très longues, très effilées, qui comme ça donnent un aspect hérissé à cette inflorescence, avec des folioles très larges, quasiment suborbiculaires, bon, du stipule, rien d'extraordinaire, mais enfin, bon, l'aspect vraiment très caractéristique de cette plante, c'est ses têtes avec ses folioles suborbiculaires, et tout ça sur des terrains siliceux, Trifolium ligusticum. Et puis, la dernière pour ce soir, c'est une plante qui est en France, alors on va dire en limite d'air, peut-être même pas, peut-être qu'elle est tout simplement naturalisée. Moi, je pense qu'elle est plutôt naturalisée. C'est une plante orientale qui est commune hein, dans l'est de la Méditerranée et surtout alors, en Turquie, on la voit souvent. C'est Trifolium fleoides. Elle est présente en Corse, en quelques points. Elle est présente également dans l'Aude, là aussi de façon extrêmement ponctuelle. Et là, cet aspect très caractéristique, c'est que les fleurs sont très courtes et surtout, les fleurs sont extrêmement fugaces, ce qui fait qu'on trouve quasiment toujours la plante sous cet aspect-là, hein, avec les dents du calice très larges, hein, comme on vient de l'évoquer, avec donc un calice qui est presque urcéolé, avec une gorge qui est rétrécie. Les folioles sont pas du tout comparables à celles de l'Hydrusticum, hein. L'aspect est très différent, hein. Les dents sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus larges, et donc l'aspect n'est pas le même. Trifolium fleoides donc est une plante vraiment extrêmement rare en France et que si vous voulez vraiment la voir dans son milieu naturel, il faut faire quelques centaines de kilomètres pour aller plus à l'est de la Méditerranée. Voilà. Mais enfin, elle est présente dans la flore de France et elle est relativement bien naturalisée là où elle est. Je pense notamment à ces stations-là vers Quintilliant où la plante est relativement abondante. Voilà, je crois que pour ce soir, on a fait le tour. On n'a pas vu la moitié des trèfles, hein, mais comme il y avait la partie de démarrage, je pense que la prochaine fois, on verra la quarantaine d'espèces qui n'ont pas été vues ce soir, à peu près dans le temps imparti.